Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode 2 de Summer in Mara. Alors je tiens à m'excuser pour le dernier épisode de Hold You Home. Parce que tout simplement, je vais parler pendant une heure toute seule. Dans le sens où le fil de mon micro derrière s'était mal clipsé quand je l'ai nettoyé. Je l'ai mal réenfoncé, ce qui fait que ben, pour moi j'avais le son, mais quand j'ai revu le live. Il n'y avait pas le son. Et dans le live, vous ne me l'avez même pas dit que je parlais dans le vide, en fait. Vous ne m'entendiez pas. Donc, bref, voilà, je tenais à m'excuser. Donc, ben, vous profiterez du jeu, enfin, de Hold You Home, l'épisode, le dernier épisode, sans ma voix. Hein, ça vous aura fait des vacances pour un épisode. Ce coup-ci, il y a bien la voix. Donc, on va attaquer l'épisode 2 de Summer in Mara. On en était resté qu'on avait construit le bateau. On avait vu qu'il nous manquait des ressources pour construire le ponton et on a tout un tas de petites choses à faire. Alors on va attaquer tout de suite. Le petit temps de téléchargement qui va bien. Le petit bateau. Voilà. Alors. Comment est-on? Oh, mais on crève la dalle, hein, c'est quoi ce bazar? Alors, dans l'inventaire, j'ai quoi? Poisson grillé. On va manger une carotte. Deux carottes. Trois carottes. Ah, on est full. Alors, au niveau des quêtes, toc. Navigue vers Kaïdis, donc il nous fallait des trucs. Moi, je voudrais pêcher quand même avant parce que je voudrais quand même avoir de la nourriture d'avance. Je pense pas que mes carottes soient prêtes, mais bon. Vas-y. Les petites carottes, elles sont prêtes. Ici, pareil. Allez. Est-ce qu'on peut planter? Oui, des graines de carottes, on les plantait. Ok. Ici. Du jeu parce qu'on n'entend pas tout. Alors ici, on va planter eh ben, des carottes. Planter. Hop. Là. Alors, au niveau du puits, on va prendre l'eau. Hop. Bon, on est bon. Alors, par contre, je vais aller me ramasser des murs parce que bon, histoire de pas manquer de nourriture. Hop. Il n'y a pas ici. Non, non, non. On va peut-être aller se chercher des oranges. Je sais pas si je joue au clavier la dernière fois ou la manette, je me rappelle plus. Elle veut plus sprint. Ah, why? Ah, c'est shift. Alors, hop. On va tout ramasser hein, tant qu'on y est.
Et plus 5. Il en reste un là. Hop. Et là-bas, est-ce qu'on aurait... est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ce souvenir. Le pauvre, ça a l'air tout triste. Là, il n'y a plus rien. Et encore un coup. Ah oui, mais c'est vrai que de trop sprinter, elle se fatigue. Alors, on va trop courir. Sinon, on va passer notre temps à dormir. Alors, je voudrais quand même aller pêcher. Ah, il y a une orange là. Top, 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 top. Viens là. Non. Je crois que je joue avec la manette. Hein. Je suis pas sûre. Le petit jeu de la pêche. Alors. Il n'y a plus de gros poissons. Alors je vais attendre que les petits grandissent. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'il n'y avait plus de poissons. On va lui parler. Elle n'a rien à nous dire. Alors, on va aller vite. Je sais pas s'il me fallait du bois. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Alors. Faire du jus d'orange. Il me manque une orange. Faire un truc comme ça. Hop, du jus de mûr. Je ne me rappelle plus ce qu'il fallait pour le ponton. Donc, allez, capot, déjà. Hop, hop. Alors, est-ce que j'ai de quoi le... Ouais, j'ai le métal, mais il me faut 8 planches de bois. Donc, il me faut du bois. Hop. Allez, ramasse. Hop, ramasse cette petite graine. On va mettre au plus marre. On va me mettre de force au lit. Non, 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 laisse, vous me laissez le temps de ramasser. Hop. 18h, elle est déjà fatiguée. Mais what? What, 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 what? Hop. J'ai dit des planches, il me manquait. Hein. Atelier. Accepté. Je vais en faire une autre. 8 planches, il me fallait, hein, me semble. Hein. Je sais plus. On va pas me laisser y aller. Pas que je cours trop vite. Ouais, 8 planches il me faut. Donc il me faut d'autres bois. C'est pas cool, hein. Quoi est épuisé? Oui, mais 2 secondes, quoi, elle va couper un arbre. Pas sûr. C'est pas sûr. Je vais même pas avoir le temps de rentrer quand on me fout trop plus marre. Allez. Ah. J'avais horreur de ça dans My Time Apporté. On est lancé dans un truc et puis pof, on nous fout.
Elle n'a pas beaucoup dormi. C'est pas génial. On va se ramasser des pommes, des oranges, je veux dire. Hop. Toc toc. Elle n'a pas beaucoup dormi. Et tu ramasses le petit truc, il faut le replanter. La botte bois. Voilà. On va replanter les pignons. Je ne me rappelle plus du tout comment on fait pour le pignon, par contre. Hop. Ah ben voilà, c'était comme ça. On va le planter. Déjà, elle est épuisée, mais elle n'a rien fait. J'avais qu'un pignon? Non, j'en ai d'autres. Il va encore me refoutre au lit. C'est pas juste. Ils vont me remettre au plumard de force. Faut vraiment que je fasse une nuit complète. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, à la fin. Faire dormir complet parce que sinon on va pas y arriver. Dormir. Alors on a des. Tu la prends? Voilà. Ensuite on a une orange là. On fait 5 ici. Ben on va aller couper des arbres. On a les oranges par terre là. Oh non! Elles ont des pop, juste on mangeait et chopé quoi. On replantera après, on va essayer de. Ouais, mais coupe l'arbre. C'est pas exactement ce que je voulais que tu fasses. Je pensais qu'on pouvait pas couper les orangers. On va planter un parce qu'on l'a quand même.
détruit. On va vite aller voir combien il nous faut de planches, je ne sais plus. Moi et ma mémoire de poisson rouge. Comme il me manque. Il en fallait 8, j'en ai 2. Donc 6. 6 planches. Est-ce que j'ai assez de bois? Au passage, hop. Alors, planche 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, normalement, on peut faire le ponton. Et là, au niveau cuisine, jus de mûre. Ok. Échappe. Boîte en jus de mûre. Manger encore une. Là, on est full. Allez, on va vite aller faire notre ponton. Pour ça, faut qu'on change le. Hop là. Oui. Ok, on a fait notre ponton. Donc, au niveau des quêtes, on doit partir. Ok, mais on va partir. Allez. Elle, faut qu'elle vienne ou je l'appelle ou. Pas la peine apparemment. Alors, si je vais au bateau. Tombé dans l'eau. Ben, eux, naviguer. Alors, comment ça fonctionne ça? Dormir sur le bateau, accélérer, faire marche arrière. Alors, S. Et comment. Moi, je veux bien, mais comment je tourne? W, non? Eh ben c'est pas rendu. Hein. Comment je tourne? Échappe, contrôle. Accepter, utiliser, changer d'outil. Le ASD alors. Si je fais ça. Ah oui, d'accord. Oh là là. Je suis pas du tout vers le nord, Pépette, là. Moi qui suis pas habituée à jouer. Ça, je recule. Là, je vais à droite. À gauche. Voilà. Non, non, non. Oh là là. Ça W A S D. Je suis pas habituée à jouer à un QWERTY. Ouais, en nord. Nous sommes dans les hautes mers. Ok. Nous sommes partis de l'île. Qu'allons-nous découvrir à nouveau? D'accord. Calice, tu as découvert un nouveau lieu à Mara, Calice.
D'accord. Napopo, tu as un très bon sens de l'attention. Vous voyez pas comme Shirelle. Pourrais-tu toujours me guider? T'es la meilleure. Bon, on pourrait interroger ces Yaya là-bas. C'est Yaya là-bas, d'accord. Ah oui, d'accord. Je les voyais pas. Hop là. C'est pas évident du tout avec, quand on n'est pas habitué à jouer en... Oh là là. WASD. Va falloir y aller trop vite. Je suis nulle hein, en clavier. Voilà. Alors, nous sommes à la nouvelle ville. Alors. Waouh! Vous êtes de Yayas? Qu'est-ce que tu racontes, petite? Ça, c'est Noho. Je m'appelle Noho et lui, c'est Caleb. Le seul Caleb que je connais, c'était pas dans ce genre de truc, moi. On ne connaît pas de Yaya. Mais si, vous êtes comme ma mamie. Ta mamie est une Quindo, une Quido, mais ma mamie s'appelle Yaya Aku. Je ne connais pas de Quido. Nous sommes des Quidos, ou des Quido. Est-ce que je suis une Quido? C'est une bonne question. Il y a quelques années, j'ai rencontré une adolescente comme toi. Elle était jeune et forte. Elle adorait nager. Elle avait traversé deux mers à la nage. La vache. C'était plus loin que la ceinture des tempêtes, évidemment, là où la mer ne s'appelle plus Mara. Il s'avère que les deux mers étaient connectées par une grande barrière de corail. Selon la rumeur, des Quidos Calmar vivent là-bas. Moitié Quido, moitié Calmar. Ils n'ont pas de jambes, mais des tentacules. Es-tu perdu? Alors ça, c'est Caleb. Un peu. On est à Calice, c'est ça? Je cherche une dame, Simi. Je crois qu'elle vit dans le phare. Les marées ont commencé à monter et le contre-courant était terrible. La fille ne pouvait pas sortir de l'eau. Lui, il est dans son histoire plein pot. Il répond pas à ma question. Puis, elle a remarqué que quelque chose lui tirait la jambe. Alors lui, dans mon histoire, par contre. Pardon. Alors oui, c'est la dame du phare. On revient à l'histoire. Elle réussit enfin à rejoindre la côte, donc l'histoire de la gamine donc, qui nous raconte l'histoire. Ça sortant de justesse. Les jambes recouvertes de traces de tentacules. J'ai la voix qui se casse, je sais pas pourquoi. Puis la mère retrouva son calme. Alors, si tu es né sur Q, tu es une Quido. Même si tu n'en as pas l'apparence. C'est bon à savoir. Merci. Je vais aller me renseigner au phare. Nouvelle quête, va au phare et cherche Semi. Tu peux maintenant ouvrir la carte de Calice sur le menu principal. Ok, donc je suppose que c'est M. Ok. Donc Bram, Caleb et Noho, Pini et Semi. D'accord, là on a toute la ville. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut mettre... Non, peut-être pas. Non, non, on ne met pas des points de marque. Alors... Ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce truc? What is it? C'est fermé uniquement, ouvert uniquement de 10h à 16h. D'accord, ok, pas de souci. Bonjour. Je n'ai jamais entendu de bonnes choses sur cette boutique. Ok. Là, il y a des asticots pour pêcher. Là, il y a quoi? Rien du tout. Peut-être dû passer par l'escalier principal. On ne peut pas entrer. Oh, il y a du monde ici. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est si on a faim, ça, non? Ouais, ça doit être un distributeur. Ma mère dit que c'est une perte de temps et d'argent. D'accord. Et toi? Je vais mourir si je bois pas tout de suite du maracola. Ah, du maracola. Alors,
Le vrombissement des moteurs de bateaux quittant le port me détend. Ok, chacun son truc. Bon, nous, on cherche le phare. C'est quoi? Bonjour madame. Où se trouve la clé de ma chambre? Alors là, pépette, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dormir, non, on n'est pas encore fatigué. Alors, on va lui parler, faire du commerce. Alors, qu'est-ce que c'est? Petite, achète quelque chose ou va-t'en? Ils sont aimables ici. Papa, achète-moi ça. Les prix sont de plus en plus élevés. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, on peut acheter du poisson. D'accord. On a zéro hein, d'argent. Donc. Ok. Au revoir, monsieur. Ok. Le phare. Je ne pense pas être sur le bon chemin. Ah, il n'y a pas la position où je me trouve sur la map. Alors, moi et les GPS n'étant pas doués, ça va être une vraie misère. Oh, il y a un toutou. Non. Ah non, je te nourris pas. Tu veux une pomme, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater le concert de ce soir. Ok. Je n'ai plus d'argent. Et si je vendais la maison à cette dame? Non, ça ira. Merci. Alors, je pense qu'il faut monter pour aller au phare, si je suis un peu logique. Koa est épuisée, elle doit se reposer pour retrouver une énergie. Oh, il m'a foutu au lit. Ah, j'avais pas vu. Ben, on va aller dormir. Hein. Ah, j'ai pas d'argent. Ben, on va dormir sur le bateau. J'arriverai jamais. Je suis passée par où? J'arriverai jamais, sinon. Au port, au phare là-haut. Hein. Vu ce qu'il me reste de. Oh, où est mon bateau? C'est celui-là. Je pense. J'ai perdu le coquillage qui est avec moi là. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, je veux pas naviguer, je veux dormir. F1. Dormir. Accepter. Est-ce que tu veux passer la nuit sur le bateau? Oui, vas-y. Parce que là, faut que je récupère. Excusez-moi, je bois un coup. Comment on est ben, on a pas beaucoup dormi. Hein. C'est de l'arnaque. Oups. Alors là, on va s'appeler mourir là. C'est pas cool. It is not cool. Non, je veux pas naviguer. Est-ce que je peux pas passer sans me vautrer? Il faut que je navigue. Hop. Allez. Bon, tant pis, on va sprinter un peu. Hop. Oh, elle est vraiment capot. Hein. Ah, je me trompe de chemin. Je vais jamais arriver au phare. À chaque fois, on va me mettre au lit. Et comment je fais pour dormir? Au bateau, on récupère pas complètement. Oh, putain. Elle est où le phare? Au secours! J'ai pas vu Pili. J'ai pas trouvé Pili. Donc là, j'ai fait ça, je suis là. Je dois pas être très loin de Pili en fait. Ça doit être sa baraque par là. Non, même pas.
Ben là, c'est pour monter au phare, en tout cas. Non? Si. Non? Ben zut alors. Alors, c'est regrettable que sur la carte, on se voie pas, par contre, hein, parce que là, je vais tourner longtemps, je crois. Y aurait un autre chemin d'accès? Oh, je vais galérer, je crois, là. Là, c'est un... Comment je fais pour aller au phare, hein? Là, je crois qu'on est... Comment ça... C'est pas là... On est revenu au marché. Ils vendent des pignons. Non, 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 mais j'ai pas de sous. Ok. Si je regarde ma map. Donc là, c'est le marché. Il faut que j'aille là. Alors, il doit y avoir un chemin ici. Comme ça, là. Je suis pas très sûre de moi, mais bon. On va me recoller au plumard, hein. On va me recoller au plumard. On va essayer de pas la faire sprinter. Il y aurait un petit chemin qui monte alors à ce moment-là. Où? Où ça? Où c'est qu'il y aurait le chemin? Est-ce que je peux sauter là? Ah ben oui. On va pas la faire sprinter, sinon elle va dormir. Je sais pas ce que c'est cette chose à droite, hein, mais on n'a pas trop le temps d'y aller. Tu me mets pas au lit, hein? Non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Excusez-moi, madame, il est encore loin. Ah, il y a du minerai là. C'est bon à savoir. Est-ce que je vais arriver au phare? Je sais pas. Oui, non, oui. Il y a un petit peu de barre encore. Il y a un petit peu de barre encore. Ok. Je peux pas rentrer? J'ai pas fait tout ça pour rien. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est Mie là? Qui es-tu? Ah oui, c'est la copine de sa grand-mère. C'est Mie, qui es-tu? J'aimerais parler à c'est Mie. Quelles sont ses manières? Ne me dérange pas, ce n'est pas important. On dirait bien que ça ne va pas marcher. Et si j'allais interroger les Quiddos qui sont au port? D'accord. Donc en gros, elle m'a foutu dehors. Tout ça pour ça, en fait. Les Quiddos qui sont au port. Donc, faut que j'aille reparler à Charles et Barnabé, là. À Caleb et je ne sais plus comment il s'appelle. Qui c'est un petit lapin? Il a un petit peu bugué, le lapin. Ah non. Et on va. Non, il veut pas. Faut pas que je l'attrape. Elle est un peu molle du genou là, hein, quand même, quand on la fait pas sprinter. Un petit peu. On va retenter de passer la nuit dans le bateau, mais... Je suis gaga, non. Je suis pas gaga, ça me rassure. Le bateau est là. Hop.
que j'ai le temps de leur parler. Bonjour. Non, c'est pas toi. Rebonjour. Alors, la dame ne veut pas me parler. C'est parce que tu manques d'éducation, ça ne se fait pas d'aborder les gens comme ça. Comment tu le sais, t'étais sur ton ponton, toi? Autrefois, j'ai rencontré un majordome, on est reparti. Il radote un peu, non? Il vivait dans une maison immense. Il s'occupait extrêmement bien de son maître. Non pas que j'approuve ce genre de choses. Un jour, il a trouvé un yum-yum dans la salle à manger de la maison. Il n'a pas crié, n'a pas paniqué une seule seconde. Il s'est contenté de gérer la situation. Sais-tu comment? Non. Moi non plus. D'accord. C'est son secret. Il n'a pas voulu me le dire. Alors qu'est-ce que je fais? Va te renseigner, petite. D'accord. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de la dame du nom de Sémi? Désolé, nous sommes des marchands. Si tu nous donnes rien contre cette information, nos lèvres resteront scellées. Oh la vache! Enfin, pas complètement. Elle est plus sympa, Caleb. Hein? C'est vrai. Parce qu'un jour, j'ai rencontré un couple sur les côtes d'Oresteia qui... C'est bon, j'ai compris. Écoute, il me faut du fil. Prends des graines de coton. Je t'expliquerai comment faire après ta récolte. Rapporte-moi du fil, on pourra te donner d'autres informations. Ok. Fabrique du fil à ton atelier et apporte l'anneau pour qu'il puisse t'aider. Ok. Par contre, est-ce que mon atelier, faut que je retourne sur mon île? C'est une blague. Ou j'ai l'atelier dans le... Oui, elle est là. J'ai pas l'atelier là. Oh, faut à chaque fois faire des allers-retours. Bon, c'est pas possible. Hein. Bon, mais il va falloir que je parte là-bas lui faire du fil et revenir, en fait. C'est où? C'est con. Bon, j'espère que les autres îles. Les autres villes ne sont pas à des kilomètres et des kilomètres parce que... What? Non, c'est pas ça. Pourquoi je retournerai à... Ah ben non, c'est là que je vais me... Oh, ça va pas être cool pour repartir. Alors, lui faire du fil. Lui faire du fil. Je sais pas s'il faut qu'on fasse des allers-retours comme ça. Hein. Mais bon. Atelier du fil. Il m'a donné du fil. Il m'a bien donné le coton. Ah. Outils. Il m'a bien donné les deux cotons tout à l'heure, parce que je suis partie. On va dormir, on va voir. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Des graines de coton. Ah, oh, mais il va falloir que je les plante. C'est une blague. Ben non, je peux pas le planter, les graines de coton. Voilà.
Si, je peux. Donc, je dois rester là jusqu'à qu'elle soit prête. Oh la vache! C'est plein d'eau, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant là? Fabrique du fil à ton atelier, apporte le à nous pour qu'il puisse t'aider. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Alors, est-ce que je peux planter quelque chose? Un arbre que j'ai coupé, par exemple. Et est-ce qu'elle veut nous parler? Qu'y a-t-il? As-tu faim? Ah, oh, c'est ça. Je pourrais te préparer un jus ou quelque chose de ce genre. C'est très bon pour la santé. As-tu déjà bu du jus? C'est vraiment bon. Avant, je détestais ça, mais maintenant, j'en raffole. Donc, préparer du jus pour Napopo. Maintenant, est-ce que je vais avoir assez de murs pour faire ça? Sachant que moi aussi, j'ai faim. Hop. Alors, cuisine. Un jus accepté. On va se faire un jus d'orange. Ok. Va se boire un jus d'orange. On va se manger une carotte. Voilà. Et on va porter le jus là-bas. C'est bon, n'est-ce pas? Ouais, elle est contente. Ok. Et c'est très frais en plus. Yaya m'en préparait tout le temps. As-tu une Yaya? La pauvre, elle a l'air de dire non. Oh zut, quel dommage. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider quoi qu'il arrive. On lui donne un jus de mûre. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, rien de plus. Est-ce qu'on peut pêcher? Parce que bon, c'est pas tout, mais oui, apparemment. Il y a de plus gros. Il y a plus. Ah ouais, d'accord. Ça a toujours pas. Qu'est-ce que ça marquait? Qu'il n'y en avait pas. Ok. Je sais qu'il y a une zone à poissons là-bas. Ramasser ces coquillages. Est-ce qu'on peut pêcher? Pas de poisson. Oh la vache, c'est chaud. Alors les coquillages. Qu'est-ce que c'est ce tonneau? D'accord, je sais pas ce qu'on a récolté. On est un petit peu bloqué là, quoi. En attendant que. Bon, il y a un seau là. Bon, ça change rien. J'ai vu un coquillage là-bas, mais nager peut-être pas. Les mouettes. Elle s'en fout, j'y passe à travers. Un coquillage ici.
coquillage là. Là, il y a un autre endroit pour pêcher. Hop. On peut pêcher du poulpe. Je pense. Reste là. Hop. Ça la vache. Ça va trop vite. Oh non! J'ai raté ma pêche. Ah. Ah. Oh non, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, viens là. Il va me repartir à fond là-bas. Quoi? Mais non! J'ai jamais aimé la pêche dans les jeux. Il n'y a plus de gros poissons, alors je vais attendre que les petits grandissent. Oh là là. On va faire le tour de l'île. Hein. Là, on peut casser. Ouais. Ici. Une orange. On a un petit peu de minerai ici. Jamais aimé les jeux de pêche, j'y arrive jamais. Alors, faut pas bouger la souris et attendre que la barre revienne à zéro. C'est compliqué de se nourrir. Je vais mourir si je peux pas manger. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce les moutons? Au niveau faim, ça va, on n'est pas trop mal, mais... Il fait nuit. On pouvait passer par là, ouais, on peut passer par l'extérieur, d'accord. Ce souvenir. Alors, les minerais, on repop. On va aller la coucher en espérant que demain le coton soit fait. Les carottes, en tout cas, c'est bon. Alors, eux, je vais dormir. Ok. Les cotons sont toujours pas... non. Alors, ici, est-ce que j'ai besoin d'arroser? Peut-être les cotons? Ouais. Ok, ici non. Par contre, on peut les ramasser. Non, je ne vais pas planter. Carottes, c'est bon. Ici. Ok. On a encore du coton là? Ah, j'avais pas vu.
Voilà. Est-ce que là, on a d'autres choses à planter? Encore. Six. On n'a plus rien à planter. Alors, par contre, on doit arroser. J'ai jeté le seau d'eau. Banane. Nettoyer. Il me faut une meilleure binette. Ok. Il me faut un meilleur marteau. Tu casses le pied. On va se prendre ça. Voilà. On a des oranges ici. Hop. Et une là-bas. On en a là. Niveau nourriture, ça va, ça descend moins. Donc, au niveau fatigue, c'est pas le top génial. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On construit. On n'a pas la recette des clous. J'ai quand même un petit bug. Ah non, c'était fallait que je lui tape dessus. Planter un arbre, hein, parce que on va peut-être profiter pour planter des non, un oranger, des choses comme ça. Ça repousse, mais bon. Alors, je peux pas le planter, donc ça doit être des arbres. Alors, je vais planter un oranger. Ok. Ouais, je vais le garder parce que bon. Que je peux peut-être planter un truc de mur ici. Allez, une. Planter. Par contre, je n'ai pas d'eau. C'est très ennuyeux. Le seau est vide. Et elle a toujours rien à me dire. Non, elle se marre. C'est tout ce qu'elle fait. Je crois pas que les poissons aient... Non, zéro. Il faudrait que j'aille voir dans l'atelier ce qu'on peut faire. Je vais aller prendre des minéraux avant dans la grotte. Hop, 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 on sprint.
a tout pris là, ouais. On va leur faire une petite pensée là-bas, peut-être que, je ne sais pas. Souvenir. Ça m'a rien fait de plus. Et là, si je prends ça, ça fait quoi? Il me faut une meilleure binette. Ok. On a les capots, donc hop, on va la faire dormir. Hein. On a une petite orange ici. Heures, elle est déjà au lit, mais on perd un temps de fou. Et ça, je peux pas le reconstruire pour le moment, non. J'ai pas de cochon en même temps, ça servirait à rien. Et l'eau, ben, j'aurai le lendemain. Alors, au niveau des outils, aucune nouvelle recette. Le fil, il faut que j'attende de deux cotons pour avoir du fil. Ok. Pour faire la confiture, j'ai pas de sucre. Bon, ça, j'ai regardé. La cuisine. Non, on va pas dormir. Je vois pas. Je pense pas que je puisse me faire. Oh, va dormir. Je suis fatiguée. Je pense pas que je puisse me faire des outils améliorés. Là, tant que j'aurai pas le coton. Ok. Est-ce qu'on a de l'eau là? Non, toujours pas. Oh. Est-ce que je peux le prendre? Non. J'ai pas d'eau. Comment faire? J'ai gaspillé bêtement. Est-ce que elle va vouloir nous parler en bas? Hop. On va pouvoir faire du commerce aussi. Toujours rien. Ici, toujours pas de poisson. Est-ce que je peux replanter? Non, j'ai pas eu de petits pignons. Y a un truc là-bas. Est-ce que je vais y arriver? Ah mais elle fait le crawl, j'avais pas vu, elle fait le crawl en fait. En appuyant sur Shift, on arrive à nager plus vite. Qu'est-ce qui m'a donné du bois? Super. Comme pour sprinter, on appuie sur Shift et on nage le crawl. C'est pas beau. Ici. Ben, j'ai raté tous mes cas à la mare. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Je croyais avoir vu un coquillage, mais non.
Excusez-moi, je vais éternuer, je pense. Pardon, excusez-moi. Ah, ici, on a un pignon. Hop. On va le ramasser. Ah, donc, en fait, on va être amené à revenir. À chaque quête qu'ils vont nous demander en ville, on va être obligé de revenir là. Pour utiliser notre atelier et tout. Waouh. C'est chaud tout ça. Ici, il y a un petit pignon. À moins que j'oublie quelque chose, mais là, je vois pas à part attendre que le coton soit remonté en haut de la tour. Non, y a rien du tout. On va faire une offrande. Oh, toutes ces pommes que j'ai mis. Ça va en même temps avec toutes les carottes qu'on a mangées, on est pas mal quoi. On pourrait peut-être faire du commerce avec nos carottes hein, pour gagner quelques pièces, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas des masses. Je prends les oranges. On a donné 5 en offrande. Ici, il n'y en a plus. J'ai vu. On n'a pas la recette des clous, donc ça ne sert à rien. Je l'ai dit tout à l'heure. La nuit passe assez vite. Hein. Ouais, si je prends ça. S'il n'y a pas de poisson, ça ne sert pas à grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon truc? Des herbes. Tout un tas du fil. Cristal. Tac, tac, tac. Du flotteur. Des verres. Cristalline. De quoi? Il y a bien le coquillage là-bas, mais je suis pas sûre. Est-ce que je peux passer par là pour y aller? Je vais me vautrer. Hein. C'est obligé que je tombe là. Bah oui. Ah ben non, bah non, beaucoup de chance. Pas normal. Bah voilà. Est-ce qu'on peut... On peut? Non, on peut pas. Je vais mourir. Hein. Alors, il faut que j'arrive à monter là-haut. Parce qu'elle avait dit qu'elle voulait ramasser les coquillages. Non, non, reviens là. T'as pied là? Ah ouais. Pourquoi tu vas là-bas? Viens là. Papier, non, pas papier, remonte. Oh. Non, elle veut pas sauter. Pourtant, il me faudrait bien ce coquillage. T'avais pied tout à l'heure.
là. Ah! Maintenant qu'on a tous les coquillages, ça va peut-être, ça sert peut-être à rien. Hop, la mouette alors. On sait pas avoir nagé le crawl. Ok. Est-ce qu'un à 0. Là-bas, on y est allé, il me semble. Ah, il est minuit. Et je peux toujours pas arroser, quoi. C'est embêtant, ça. Bon. Oui, ben, il y va. Hey, j'étais devant la maison. Ben non. Non, non, ce n'est pas du jeu. Alors, il pleut. Ça a peut-être arrosé les cotons, là. Vim. Ok. On n'a plus rien à planter. Alors, comme il voulait de bobines, le monsieur. Avance dans les quêtes de quoi pour continuer. Ben oui, mais il faut. Il en faut une autre. Alors. Atelier. Un fil. Accepté. Ok. Elle est fatiguée, on va la faire dormir. Et le lendemain, on repart à la ville. Donc on a bien dormi, par contre, on a la dalle. On va se boire. Hop. Sait-on jamais, on pourrait se faire un autre jus de quelque chose. Hein. Trois oranges, trois mûres, qui bourricote. Alors on va faire un jus de mûres. Et on va faire un jus d'orange. Ah, un jus d'orange, ouais. Ok. Ben on est reparti pour. Est-ce que je peux arroser là? Oui. Il n'y a rien à arroser ici. Hop. Bon, allez. On a la faim à fond, on n'est pas fatigué. Ok. Bon, elle s'en fout, on lui parle, elle répond pas. Allez, hop. Et on est reparti pour plein nord. Alors, je n'arriverai jamais avec ce truc. Je rame un crabe. Non, va. Non, là, tu vas pas vers le bon chemin là. Je suis nulle avec les claviers. Oh, c'est bon, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. J'ai énormément de mal avec W, machin, truc. Je suis pas habituée du tout à jouer à ces touches-là. C'est pas le top, top, top pour moi. Oh, accident de bateau? Non. On va essayer de se garer correct au ponton. Je suis pas sûre de moi là non plus. Voilà. On est prêt, hein. Hop.
Alors, voilà, vous ne trouverez pas de meilleur film ailleurs sur l'île. On s'entend bien, petite. Tu es maintenant prête pour la grande révélation. Je parie qu'il va nous dire un truc nul, qui nous avancera à rien, mais il a eu son fil, quoi. Je vous écoute. La femme que tu recherches se trouve au phare. Merci, je le savais déjà, non. Kalem m'a déjà dit ça. Eh bien, c'est tout. Rien de plus. Non, c'est tout. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Ça ne suffit pas? Mais prends ça pour le dérangement. Merci, vieil homme. Oui. Qui traites-tu de vieil homme? Moi. Caleb n'est pas vieux. C'est un Quido qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu peux interroger les habitants de la ville au sujet de la dame du phare. Ils sauront peut-être comment lui faire ouvrir la porte. Ok, et on a gagné 80 pièces. Nouvelle quête, parle aux habitants de Calice et trouve une solution pour que Sémi t'ouvre la porte. Alors, on a un roman et deux coquillages. Alors, voyons voir. Alors, il y a des nouveaux persos. On a Edgan qui est apparu. Ah, j'ai pas vu Bram. Et on a Hanzo en haut. Bon, nous, notre but, c'est d'aller voir Semi, mais je pense qu'il faut parler à tout cela, peut-être. Alors, parle aux habitants de Kélis et trouve une solution pour que Semi tout s'apporte. D'accord. Ok. Tu n'as plus rien à me dire? Bonjour. Ok, non, elle n'a plus rien à me dire. Alors, ici, est-ce que c'est ouvert? Petite, le service de crabes postaux est défectueux. Je ne sais pas ce qu'est le service de crabes postaux. Les crabes postaux. Ils transportent les lettres d'un endroit à un autre. Ah oui, ok. Tu as dû en voir quelques-uns, non, pas encore. Ils ont toujours été très efficaces jusqu'à leur dernière tournée. Les plus jeunes se perdent en permanence. Si tu vois certaines de ces lettres, tu veux bien les lire pour vérifier si elles sont importantes ou non. Mais c'est privé, non? Ne t'en fais pas. Les gens d'ici se moquent bien qu'on lise leur courrier. Et puis, s'il n'y a que toi qui les lis, ce n'est pas un problème. Tant que Edgan, le banquier, ne le découvre pas. Ah, il n'a pas l'air aimable, Edgan, vu la tête qu'il nous fait, non. Pourquoi Edgan en particulier? Il est très curieux. Il y a encore quelques années, c'était un gamin adorable. Mais plus maintenant. Il est parti étudier sur le continent. Une université réputée, paraît-il. L'université d'économie de Comte. Après ça, son père a ouvert la banque sur l'île pour lui. Et voilà, depuis, il tire profit de ses terres. Mais je t'ai rien dit tout ça, hein. Edgan est une vraie commère. D'accord, je vérifierai les lettres de ces crabes postaux que je trouverai. Parfait, pour le moment, il y en avoir que 5. Puis nous verrons. Ok. Trouver 5 crabes postaux pour pouvoir lire leurs lettres perdues. Ok, des crabes postaux. Ah ben, je pars à la chasse aux crabes, hein. C'est quoi? On va prendre. Ah, des crabes postaux. Oh, mais c'est. J'adore. Des crabes postaux. Fallait avoir l'idée quand même, hein. Alors. J'ai l'air divine avec cette lumière. Bien, bien. Ça va les chevilles, madame? À droite, non, l'autre droite. D'accord. Bon, c'est pas à ceux-là. Hein. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a laissé tomber. C'est pas ces persos-là. Je pense que c'est ceux qu'on a sur la carte. Donc, il y en a un qui est complètement à droite. Je pense que c'est là que je vais trouver les. Je peux pas. Ah. Bon, je sais pas comment je vais remonter, mais je. Ah, un crabe postal. C'est un crabe postal, lui. Lire. Tu mords pas. Hein. Loup Ganon et Luna Buna. Ah, ça n'a pas été traduit. Regarde. Ganon and Luna Buna. You met in the game. Vous êtes dans le jeu. Miou. Mes chats parfaits. Je vous aime, maman Blush Wolf. Ok. Le service des crabes postaux achemine des messages du monde entier. Donc certains sont écrits avec des langues que personne à Mara ne comprend. Ah bah, c'est cool. Anglais, je veux bien. Je suis limitée à 5, hein. Après, il y en a, je sais pas. Ok. Toi, je t'ai trouvé. Ensuite, là, par contre, il y a des déchets. Je suppose qu'on doit les ramasser.
J'ai pas encore trouvé comment on recycle ça, mais. Ah, ici. Non, on peut bronzer. Toujours au ballon. Non. Non, non. Hop. Bonjour madame. Si une vague détruit mon château, je vais vraiment m'énerver. T'as qu'à pas la faire au bord de l'eau. Alors ici. Bonjour. Salut, je m'appelle Koa. Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Alors c'est Bram. Hein. Bonjour, moi c'est Bram, oui. Tu vas bien? Non. C'est que. Je crois que j'ai fait une gaffe. Avec quoi? Mon oncle va bientôt ouvrir son établissement, il nous faut des provisions. Oh la vache. J'ai donc passé une commande de maïs au marché, mais on ne m'a livré que des grains de maïs. C'est une catastrophe. Le maïs vient des graines de maïs. Je ne vois pas où est le problème. C'est que je n'ai nulle part où les planter. Ah, il va falloir que je retourne là-bas planter les graines de maïs. Si tu me les donnes, je t'apporterai le maïs. Vraiment? Évidemment. Ça serait formidable. Mon oncle Taka est très gentil, mais il est très strict. Je ne sais pas comment il réagirait. Merci beaucoup. Brum. De rien. Brum. Ok, donc on a 2 graines de maïs. Ok, ça fait beaucoup de quêtes d'un seul coup. Hein. S'il te plaît, Koa, n'oublie rien. Il n'y a pas de souci. Donc on a plusieurs quêtes maintenant qui nous sont données. Un crabe postal ici. Allô? Viens ici, viens ici. J'espère qu'aujourd'hui. Allô, 8 minutes. I remember this game. Alors là, 8 minutes, je ne sais pas ce que c'est. Les souvenirs de ce jeu a été un des meilleurs moments, une des meilleures expériences de ma vie. Ok. I grew up loving a few games and I have felt the same feeling in a while. Ok. I have big hope. On a gagné une sucette. Hein. Ok, donc on va pas s'attarder à lire les lettres. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme ça que tu ouvres un compte. Et as-tu vu comme le ciel est beau? Ok. Bon, bah, on va faire toute la plage. Hein. Vu qu'on n'est pas fatigué. Alors. Oups. Je devrais me mêler de mes affaires, ignorer cette dame qui me fixe. J'aurais aimé que ma petite fille soit si intelligente. Quelle ingéniosité architecturale. J'ai du mal. Il fallait que je perde ma bague aujourd'hui. Super. Ok. Et là, il y a quoi? Non, on peut pêcher. Oh, ça fait un bruit chelou, là. Il y a des poissons? Oui. Alors, est-ce que je peux pêcher? Ben, est-ce que je vais arriver à pêcher? La question est surtout là. Je n'ai pas de fil. Oh non! Plus de fil de canne à pêche. Bon. Mais en même temps, on n'a pas faim. Hein. C'est quoi ce bruit bizarre? Je sais pas. Il y a un bruit bizarre. Bon, bref. Donc, on a fait toute la plage. 20h45. Ah, on a quelqu'un à voir ici, mais est-ce que c'est ouvert? C'est une bonne question. C'est fermé. Ouvert uniquement de 9h à 15h. Oh, il travaille pas beaucoup sur cette île. La madame, elle parle pas. Alors, au niveau de la map, donc on a vu Bram, Pini et Degan. On n'a pas vu à Degan. Il y avait une place ronde. Alors, à Degan, il doit être là, je pense. À Degan, je pense que c'est là. Pini et Anzo en haut.
Bonjour. Ma jambe s'est engourdie et maintenant je peux plus bouger. C'est con ce qui t'arrive. Alors, si je vais par là. Pas trop où je vais, mais j'y vais, hein. Après tout, faut explorer. Je suis pas très sûre de où je suis. Non. Pourtant, il doit y avoir un chemin. Il va trop lire, il va falloir que je reparte. Lire. Pas de vendeur, pas d'intrus. Ouh, c'est mal poli. Et qu'est-ce que c'est que ce machin? On l'a lu. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça m'intrigue. Hein. Hop, le petit lapin. Qu'est-ce que c'est ici? Je suis chez mes parents, je reviens bientôt, pardon pour le dérangement. Oh, elle n'est pas là. D'accord. Okay. Et par contre, moi, je vais tomber de fatigue. Je vais m'endormir. Je vais pas avoir le temps de rentrer au bateau. On pourrait utiliser les sous. Voilà, ben on m'a mis au plumard. Ok, je pense que ce serait une bonne idée d'aller planter le maïs. On va planter le maïs. On arrêtera l'épisode 2 là-dessus, je pense. Ouh. On va aller planter le maïs comme ça. On revient, on lui donne. Et elle va accepter de nous aider. On a toujours. J'avais pas vu qu'elle était. Espèce de petit coquillage, je me rappelle plus le nom, qu'il était juste au bout du bateau, assis. J'avais pas fait gaffe. Ok. Il faut que je fasse gaffe à mon réservoir là-haut, parce que je vais finir par plus avoir d'essence. Et ma mémoire de poisson rouge, je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout comment pour la gasoline. Alors, on va aller planter le maïs. Je pense que le coton, par contre, est bon, ouais. Alors, India, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai un chat qui parle. Ok, donc on va planter le maïs. Voilà. Est-ce qu'on en aurait d'autres? Oui. Ensuite, on n'en a plus. Bon, on va l'arroser si on peut. Oui. Hop. Ça se remplit. Nickel. Par contre, on est crevé. Donc, on va la faire dormir, je pense. Hop. Quoi est épuisé? Il pleut. Il pleut, bergère. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans le prochain épisode? Alors déjà, on va regarder, je voudrais voir si on a débloqué des choses, mais ça m'étonnerait. Niveau outil, non. On n'a plus de bouchon pour pêcher. Alors, il nous faut... On va s'en faire. Histoire de pêcher sur l'autre île. On a du coton, on pourra le revendre.
India, j'ai le chat qui pète un câble. Franchement, vous verriez, vous rigolerez. On va refaire un fil, on va garder un coton. Ok, flotteur. On va en refaire. À se faire un jus de mûre. Ok. Et non. Donc, on pourrait se faire des planches. Ça nous vide le décor. Ah oui, mais c'est avec le fil. Donc hop, annulé. Et bien on va la faire dormir. Voilà, et là, le maïs, c'est magique, il a poussé. Hop. Ok. Est-ce qu'on a des choses à planter? Pas du tout. Ben, il faut qu'on reprenne le bateau. On va se ramasser. Hop. Bon, quoi qu'on a, on s'est fait un jus. On a une sucette, hein. Du lait. Ben on va se boire un jus d'orange. Voilà. Et puis on va retraverser l'île. Hein? Les champignons, ça se. Ah ouais, on peut prendre les champignons. Ah. On va reprendre le bateau, on va retourner de l'autre côté. Est-ce qu'on peut pêcher de ici? Toujours pas, je pense pas. Non, toujours pas. Allez, tu viens, je ne sais plus comment tu s'appelles. Est-ce qu'elle a pas faim, elle? Napopo. Non, elle est contente, tout va bien. Allez, Napopo, viens. Elle ne fait pas un temps pour prendre un bateau, mais on va le faire. Ah! Allez. Naviguer. Ah, tu m'as évidemment pas mis dans le bon sens, hein. Ça te fait rire, hein, que je galère avec ma touche. Retourner à Kailis. Ah, mais, ah oui, mais ça me coûte des pièces, le. Non, non, on va naviguer. En fait, ça me coûte des sous de. Il y a la téléportation après quand on aura beaucoup de sous, mais là, non, là par là. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Hop. Non, 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 attends, on va mal. Ah ouais, bon. Je crois que même si on décale un petit peu du trait, ça passe. Hein. Allez, on va tout droit. Enfin, tout droit, pas tout à fait. Ouh, attention. On est obligé de se garer au ponton. Allez, on va lui. Hop là. Bonjour la poste. Le gain, mais celui-là, on l'a déjà trouvé, hein. Évidemment, tu nous le comptes pas. Ça aurait été trop facile. C'est toi qui fais du bruit comme ça, donc il y en a un dans le bateau là-bas alors. Allez. Hop. Salut Brune, je t'ai apporté le maïs. Merci beaucoup Brune. Au fait, je voulais te demander, est-ce que tu connais la dame qui vit au phare? Je dois lui parler. Ah, oh, cette dame-là.
Eh ben, j'ai déjà vu. Sur la plage, je crois, elle ramassait des coquillages près du phare. Je crois qu'elle était triste. Peut-être que ça lui ferait plaisir que tu lui apportes un beau coquillage. C'est une bonne idée. Préviens-moi quand ton oncle aura ouvert son établissement. Ah, on a encore beaucoup de choses à faire. Brrr. Bonne chance. Ok, je lui donne les 4 maïs. Et elle m'a rien donné. Et méchante. Alors, elle l'aurait vu sur la plage avec un coquillage. À ramasser coquillage. Donc, deux bateaux là-bas qui fait un bruit bizarre. Alors, lui, c'est toujours la poste. Ok. Ici, la poste. Oui, je t'ai lu. Il y a le bouton bleu. Non, mais ça va, on se calme, le crabe. Quelle agressivité! Donc, il y aurait un crabe là. Je sais pas, ça fait un bruit. Ce bruit-là, là. Voilà. Ah! Non, il n'y a pas de crabe. Non, il n'y a pas de crabe. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a 80 pièces. Alors, parle à Bram pour passer à la mission suivante. Mais je lui ai parlé, à Bram. Ça y est. Avance les quêtes de Koa, trouve 5 crabes post-tout. Ouais, je crois que tant que j'aurai. Et un coquillage par... et deux coquillages spéciaux, il faut. La plage, elle n'est pas immense en même temps. Coquillage en forme de. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Si je lui reparle, ça fait quoi? Bram, à quoi est-ce que tu penses? J'ai besoin d'ingrédients. Mais les dames du marché sont effrayantes. Ah bon, je ne le trouve pas spécialement. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose? Tu ferais ça pour moi? Évidemment, t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il te faut? J'ai besoin d'oignons, de patates et de pieuvres. Je pense créer un nouveau ragoût. Je voudrais surprendre mon oncle. Je m'en charge. Allez, hop. Mais t'as donné les sous? Parce que j'ai pas beaucoup de sous. Et là, je vois pas du tout de coquillage. Monsieur de la Poste, il est là, on en a trouvé deux. Je pense pas qu'il y ait notre plage là. Y a des bruits bizarres dans ce jeu quand même. Je peux pas passer par-dessus, non. Ça a cassé ça, non? Ouais. Hop, un bout de bois. Deux bouts de bois. Ça va, on n'est pas trop fatigué, donc. Bonjour, bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est? Super. Alors, je ne sais pas du tout comment on recycle. Là. Ça va falloir que je m'y penche, hein, parce que je commence à avoir un satané bazar. Il y a une fontaine en bas là. Prendre. Ah, elle boit. Ah non. Ah si, j'ai rempli une bouteille d'eau. Ah d'accord. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi qui m'attaque? Non, en fait, quand on bouge la caméra, ça fait le bruit de. Ok. Bon, on va aller dormir. À moins que. Bonjour, Caleb n'a toujours rien d'autre à nous dire. Il y a des bruits vraiment bizarres.
Va-t'en quoi? Tu me fais perdre de l'argent à rester planté là. Oh, mais vous n'êtes pas aimable ici, dites donc. Si on est... Ah, on doit pêcher pour... Il faut quoi? Un appât? Ouais, t'as pas le bon appât pour pêcher ici, je m'en doutais un peu. Bon, ben on va dodo. Voilà. Et on va rester là pour cet épisode 2. Ah, ça commence à se corser, hein, l'affaire là. Alors, on va se mettre garé mieux. On va essayer. Hop. Donc, ce qu'on fera dans le prochain épisode, on... Alors, on doit parler aux habitants de Calice et trouver une solution pour que Sémi nous ouvre sa porte. On doit acheter les ingrédients pour Bram. On doit trouver 5 crabes postaux. On a trouvé 2 pour l'instant pour relire leurs lettres perdues. Et là, on doit trouver 2 coquilles de mollusques et un romain. Donc, à voir dans le prochain épisode. Et au niveau de l'inventaire, alors on a une sucette, on a assez à manger. On a tout un tas de petits trucs. Alors les déchets, je ne sais pas du tout comment ça se recycle. Je n'ai pas porté d'attention à ça. Là, on a des coquillages. Et on a, alors, un sac à dos en forme de, ben de... Un vieux réservoir à bateau. Des pièces. On a une cristallite de corail de Mara. Le t-shirt, la lettre de Samy. Et le sac à dos basique. Voilà. Donc, c'est tout, c'est tout. Après, on revient à l'inventaire. Mais écoutez, dans l'épisode 3, ce qu'on fera, on la refera dormir. C'est impressionnant la vitesse, par contre, où elle se fatigue ici. La nourriture, maintenant, c'est un peu plus facile à gérer qu'au début. Mais au niveau sommeil, je trouve que ça va très très vite. Et quand on la fait dormir dans le bateau, je trouve pas qu'elle récupère énormément. Là, regardez, je suis à moitié de la barre. On va quand même regarder, je la fais dormir. F. Peut-être que c'est mieux de dormir à l'hôtel, mais ça coûte des sous. Voilà, ça m'a rien remis du tout hein, de dormir. Bon, enfin voilà. Donc on va en rester là ben, pour cet épisode 3. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me régale. Il est trop choupinou ce jeu. J'ai trouvé 2 autres petits jeux dans le même genre, mais que je vous présenterai un petit peu plus tard. Je ne vais pas vous donner les noms maintenant. Ils sont dispo en tout cas sur Steam. C'est dans le même style que Summer in Mara, My Time à Portia, etc. Donc Farm Together, enfin c'est dans ce même style de graphique. Et toujours avec des quêtes, lier des amitiés avec des habitants, etc., etc. Mais ça, on le reverra un petit peu plus tard. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous continuez à vous protéger, protéger. Parce que voilà, le Covid est en train de remonter. Et ça fait très peur. Donc continuez à porter vos masques. Voilà, n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez le moindre rhume, hein, ça ressemble à une rhino, c'est le même problème. Donc voilà, et faites-vous tester si le médecin vous dit par sécurité, vaut mieux se faire tester. Allez-y et puis continuez à vous protéger. Pensez aux personnes qui sont à risque, qui elles ne sont pas déconfinées. Voilà, et ben, pensez tout simplement aux gens que vous aimez autour de vous si vous n'avez pas envie voilà, de leur donner le Covid ou qu'ils l'attrapent. Sur cette belle leçon de morale finale, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye bye!